Test thermoflash, lavage des mains, distanciation sociale. Tout était au rendez-vous ce 1er juin 2020 pour la reprise des cours dans les établissements scolaires de la ville de Yaoundé. Élèves et encadreurs se plient au respect strict des mesures barrières contre le COVID-19. Dans les salles de classe, la disposition des tables bancs se veut sécuritaire et les apprenants sont invités à faire montre de responsabilité face à la pandémie. Faites cet effort-là, c'est pour vous, pour nous tous, pour vos familles et pour tout le Cameroun et même pour le monde entier. C'est très important, portez donc ce masque, lavez-vous les mains. Utiliser les gels hydroalcooliques. Ils devront donc s'adapter à de nouvelles méthodes d'enseignement. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, ça pourrait le faire un à un, tout naturellement, en respectant les mesures barrières. Couvrez-vous le nez, okay? Sauf peut-être pour parler au professeur, vous pouvez l'enlever. Le professeur ne pourra plus, comme d'habitude, circuler entre vous, mais il circulera ici. Rassurés des précautions prises par leurs encadreurs, les élèves se disent prêts à renouer avec les leçons. Nous, en tant qu'élèves, on se sentait quand même confiants avec ces mesures que l'école a apprises. Une reprise de cours sereine et dans la continuité. C'est un certain nombre d'heures de cours que nous avons commencé. On a interrompu au mois de mars et on reprend ce matin, 1er juin. Les cours ont bien. Plus qu'un mois pour les examens officiels, l'heure est au travail et rien qu'au travail.